tous, bienvenue pour cette deuxième partie de critique de l'écologisme et des idéologues. Alors j'avais fait une première partie que je vous invite à regarder et visionner pour bien comprendre cette deuxième partie. Aujourd'hui on va davantage s'intéresser justement à la mise en scène qu'il y a autour de ces documents pseudo-anthropologiques, pseudo-ethnologiques. J'avais fait une vidéo qui ne doit plus être en ligne, d'ailleurs j'en sais rien, parmi mes toutes premières vidéos, il y a plusieurs années de ça, il y a au moins 5 ou 6 ans maintenant, dans laquelle j'expliquais justement que, ce qui n'est pas un scoop en soi, mais qui est important d'avoir en tête, qu'aucune discipline n'était correctement représentée à la télévision. Par exemple, là en fait, ce genre de documentaire, je parle de la première vidéo de Choya Nature, est autant une étude ethnologique que Secret d'Histoire de Stéphane Bern, par exemple, est un document, une émission qui fait vraiment de l'histoire, c'est-à-dire va chercher des sources, les recoupe, construit un objet historique, etc. Bon, la philosophie, par exemple, on n'en parle pas, hein, là-dessus je rejoins Deleuze lorsqu'il parlait d'assassinat permanent de la philosophie, et il est très clair, effectivement, que l'assassinat de la philosophie a lieu à bien des égards et dans bien des domaines, et à la télé, n'en parlons pas, en réalité, elle n'est jamais présente. Bon, eh bien, là, ici, aujourd'hui, on va s'intéresser à la fois à la manière, par l'intermédiaire de ce documentaire, encore une fois, je trouve ça plus intéressant comme, comme mise à pied qu'un long exposé, et encore une fois, si vous souhaitez des exposés plus longs sur ces questions-là, eh bien, nos cours de deuxième année commenceront à y répondre et vous donneront en tout cas bien plus de pistes, et j'espère par la suite tout ce que nous ferons aussi à l'IHT, et ce que je fais à titre individuel aussi dans mes travaux. Néanmoins, ici, on va s'intéresser effectivement à la fois à la mise en scène et en même temps à l'impact sur ces peuples du fait justement d'une recherche particulière, sensationnelle de peuples primitifs, purs, qui ne connaîtraient que la forêt, qui auraient un rejet total de la technique et de notre civilisation, etc. Et là, pour une fois, il faut saluer ce documentaire, hein, qui se passe donc en Papouasie-Occidentale et qui avait été diffusé sur Arte, et là encore, j'étais tombé au hasard un jour où j'étais pas très en forme, assez fiévreux sur cette émission, et j'avais été très alarmé et étonné et en même temps intéressé par ce que vous allez découvrir. Alors, sans plus attendre, on va aller directement au passage qui m'intéresse. Désolé pour ce tâtonnement. Hop. Donc là, vous voyez, hein, a priori, en fait, là, la personne que vous voyez à l'écran, bon, je suis désolé, encore une fois, vous allez voir, l'image tant de la vidéo quand elle est en lecture est un peu saccadée que l'image directement présente. Encore une fois, c'est pour éviter que YouTube et le robot YouTube suppriment directement la vidéo. Toutefois, voilà, vous avez la personne qui s'affiche là, originaire donc de Papouasie-Occidentale, qui est le guide qu'a payé l'animateur. Alors je sais pas s'il a d'autres compétences, hein, j'ignore son nom, en tout cas l'animateur de l'émission qui va en Papouasie-Occidentale. Et donc, eh bien, vous voyez, il est dévêtu, il habite une espèce de case, vous allez le voir, en hauteur, et donc est censé vendre du rêve à cet occidental, à cet américain, je crois, ou anglais, je sais plus non plus, qui vient voir comment est-ce qu'ils vivent. Et en fait, tout cela est une mise en scène, et petit à petit, on va voir tout le décodage de cette mise en scène au travers du documentaire, et c'est très intéressant. Alors, premier élément, l'allumage du feu. Et là, les images et l'audio parlent d'eux-mêmes. Ça peut sembler dangereux de faire du feu en hauteur dans une maison en bois. Mais l'âtre traditionnel repose sur un support qui peut être facilement tranché pour tomber au sol en cas de problème. La technique d'allumage est plus moderne. Le plastique d'une cartouche de cigarette? Les briquets, c'est bien, mais il faut avoir de l'argent. Il n'y a que les gens comme toi qui m'en donnent. Bon, vous voyez, vous n'êtes pas au bout de vos peines pour ceux qui n'ont pas vu le reportage. C'est tout ce genre d'éléments que j'ai envie qu'on voit, qui à la fois bon, sont assez pénibles, hein, font un peu de la peine, et en même temps montrent l'instrumentalisation totale
de ces personnes à des fins justement de documentaires pseudo-anthropologiques, pseudo-ethnologiques, et qui en réalité ne correspondent en rien à la vie. Alors, voilà, bon, il y a cet outillage, effectivement, bon, bah voilà, vous voyez, ils s'emmerdent pas à frotter de silex, il ne fait pas une incantation à je ne sais quel dieu pour avoir le feu ou je ne sais quoi. Non, évidemment qu'il y a eu un accès de part, alors après encore une fois on peut juger que c'est bien, que c'est mal, etc., mais qu'il y a eu un accès à l'outillage, et que effectivement même si cet accès y est précaire, cher et difficile, eh bien quand ils ont la possibilité, eh bien eux aussi, et heureusement, et c'est ce que je disais déjà dans le premier épisode, à la fin, lorsqu'il parle justement du geste, que Hulot nous dit que c'est une page oubliée de la Genèse, que le geste est beau, etc. Bon, quand je parlais du rapport à la machine, là on y est, d'accord. À partir du moment où on peut avoir un briquet, eh bien évidemment qu'ils utilisent eux aussi un briquet. Bon, alors là, passage qui m'avait beaucoup fait rire, hein. Alors pas rire évidemment encore une fois de l'indigène qui va faire telle action, hein, et que l'on suit évidemment le propos, et je vais pas rappeler tout ce que j'ai dit dans le premier épisode, mais évidemment le propos ne s'adresse pas à eux ou qui justement sont les victimes, mais à l'instrumentalisation, à la mise en scène de ce genre de documentaire, et en même temps au rapport idéologique qu'on a nourri sur ces populations. Et là, ici, ce qui va m'intéresser dans l'extrait que je vais vous montrer, ce qui est très très bref, c'est le rapport, encore une fois, on nous dit, vivre en harmonie avec la nature, en communion, avec le respect de celle-ci, etc. Et là, on va voir que non, en réalité, le rapport social, le besoin matériel, la nécessité de plaire à ceux qui sont, hein, et qui l'ont instrumentalisé aussi, mais en même temps, il y a un retournement, il y a une espèce de malignité qu'on comprend bien de la part de l'indigène, à aller chercher ce qui peut plaire aussi à l'occidental, et vous allez voir que cela ne se fait pas au prix d'une harmonie avec la nature. Alors c'est bref, mais ça m'avait vraiment marqué, j'avais trouvé ça très intéressant. Voisin, à 2 heures de marche de là. On marche depuis 1 heure. Je suis complètement crevé. Et on nage. Et c'est juste pour aller chez ses plus proches voisins. Ils sont pas de sa famille. Et pour lui, c'est la porte à côté. Pourquoi tu fais ça? Je vais le couper. Ah ouais? C'est bien. Bien pour la photo? Oui. Il fait ça pour nous. D'accord. Il veut qu'on... Donc le mec se balade, et d'un seul coup il met un grand coup de hache dans un arbre, et vous voyez, effectivement, avec tous les présupposés idéologiques de l'animateur, il s'interroge sur la raison pour laquelle il fait ça, et il fait ça pour la photo, vous voyez, pas dans un respect inconditionnel, animiste, voire plus animiste que paganisant d'ailleurs, oui, effectivement, hein, c'est-à-dire de voir une âme dans chaque élément de la nature, etc. Non, il faut un grand coup de hache dedans, quelque part, j'ai envie de dire, il s'en branle, quoi. Parce que cette nature qui est hostile, il la vit aussi comme telle, et surtout que il a eu accès à autre chose, à d'autres formes, on va le découvrir petit à petit, et ça c'est quand même extrêmement intéressant, et bien loin des représentations habituelles qu'on peut en avoir, où il serait en adoration devant l'arbre caressé, ce qui veut pas dire que par derrière peut pas y avoir effectivement une forme d'animisme qui préexisterait dans les représentations des indigènes, mais toutefois vous voyez bien que selon le rapport social qui s'inscrit, eh bien cela passe au second plan. Bon, peut-être que mon commentaire, finalement je m'en rends compte au fur et à mesure, hein, puisque je commente au fur et à mesure, enlève un peu de ce que j'avais ressenti moi la première fois. Bon, là je vais laisser dérouler davantage, puisque vous allez voir, on va essayer de regarder toute la séquence, qui montre bien ici l'instrumentalisation qu'il peut y avoir, qu'on a vu qu'on pouvait voir dans des documentaires comme Ushuaïa, qu'on pouvait voir dans Les Nouveaux Explorateurs aussi parfois sur Canal+, qu'on pouvait voir, et je l'ai montré, signalé en début de cette vidéo, avec Rendez-vous en Terre Inconnue, etc. Toujours les mêmes procédés qui ici sont un peu dévoilés, et je trouvais ça intéressant d'utiliser donc ce genre d'extrait. Bon, c'est à titre individuel, ça m'a, non pas que je le découvrais, mais ce qui va suivre est vraiment pénible à bien des égards, et montre là la réalité du rapport de force, des rapports économiques, bien loin du matraquage idéologique écologisant qu'on nous rabâche sans cesse.
en photo. Par gauche. Je rappelle juste qu'ils sont donc censés se rendre dans une maison, une case très haute, puisqu'ils vivent dans ces maisons très très hautes, montées en hauteur, qui vivent donc dans des conditions normalement propres à l'indigénat, sans recours à la technique, à ces excès de la société de consommation, comme disait Hulot, et blablabla. Et blablabla. Bonjour. Bonjour. Merci. Pardon de déranger. Excusez-moi. C'est une vieille maison qui bouge. D'accord. Assieds-toi là. Je m'assieds là. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je peux m'asseoir ici ? Oui. Merci. Merci beaucoup, Bagnac. Merci, maman. Tu m'as cassé. Bienvenue. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. On dirait que personne n'y habite depuis des années. Et tout le monde a l'air d'avoir peur qu'on passe à travers le plancher. Qu'est-ce qu'ils disent ? Marcus a peur que la maison s'effondre et qu'on soit obligé de sauter. Maman, c'est dans cette maison que tu vis ? Elle dit qu'ils ne vivent pas dans ces maisons. Elles ont été commandées par des Canadiens qui tournaient un documentaire. Je comprends mieux pourquoi ils sont inquiets de voir autant de gens monter ici et pourquoi ils ont peur que ça s'écroule. C'est totalement artificiel. Merci, maman. Si tu ne portes pas de vêtements, c'est parce que des étrangers sont là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On nous a dit à toutes les deux de venir ici sans vêtements. Bon, je crois que la scène est malheureusement sûrement avec la qualité d'image volontairement détériorée. Vous ne l'aurez pas, mais le regard de la jeune femme sont suffisants et se passent ici largement de commentaires. Je vais quand même y revenir rapidement, mais ça me fait penser aussi cette scène-là, j'y pense en la revoyant. Je ne l'ai pas regardée depuis le jour où j'étais malade. Cette scène me fait penser à encore une fois, le même genre de documentaire, mais qu'il a, enfin pas vraiment documentaire, mais qu'il a un tout autre parti pris, et sans doute beaucoup plus sincère quelque part, bon, j'imagine en tout cas, c'est les « J'irai dormir chez vous » d'Alexandre Maximi. Je me souviens d'une fois où justement il est en moto et finalement il est au milieu du désert et rencontre des Maasai, et puis on voit finalement que ils ont récupéré au maximum les objets techniques pour réparer la moto, et en fait ils lui réparent sa moto au plein milieu du désert, quoi. D'accord ? Donc dès lors qu'ils ont accès à un développement technique, ils s'en servent aussi. Là au moins ça avait le mérite de bien le montrer, de sortir des représentations complètement archaïques et idéologisées qu'on peut avoir. Bon, et ici cette scène, elle se passe de commentaires, on voit bien toute l'instrumentalisation qu'il peut y avoir derrière tout ça. Alors, petit à petit, l'animateur va se mettre en quête de vérité, parce que là, il voit bien qu'en réalité, c'est un truc pour touristes, pour documentalistes, qui plaît bien et qui fait que, eux ont un peu d'argent pour essayer de survivre, et repartent avec ce qui... Les documentalistes sont contents et repartent avec l'image qu'ils se font du lieu dans lequel ils vont, plutôt qu'avec la réalité, et vont vendre ce rapport idéologique-là aux bons occidentaux qui regardent ces documentaires-là et à qui on va expliquer que ce sont des crasseux qui usent de la technique, qui se fourvoient dans la technologie, etc. Alors qu'en réalité, il existe des peuples purs et que ces peuples purs sont en train de mourir à cause de nous, etc.
Donc il y a une quête de vérité, et là il demande à ce qu'on arrête de lui mentir et à aller voir vraiment une population réellement autochtone et non, je suis en train de me demander, c'est tout à l'heure, je ne me suis pas emmêlé les pinceaux avec indigènes autochtones, mais bref, vous avez compris l'idée, afin que justement, eh bien, on arrête de lui vendre n'importe quoi. Si on va là-bas et qu'il n'y a personne, je pourrais m'en accommoder. Si c'est comme ça et qu'ils ne vivent plus là-bas, très bien. Mais je veux en être sûr. Urbanus, en tant que chef du village, est-ce que tu peux nous donner des informations? Engager Dupin. Ok. Je peux venir? Je peux? Oui. Merci. Je vais laisser mes sacs ici et monter tout seul. J'ai vu un homme avec une barbe blanche. C'est bon? J'y vais tout seul? Oui. C'est fou. J'enlève mes chaussures. Bon, vous retrouverez le documentaire si cela vous intéresse. Donc là, normalement, il est censé arriver effectivement chez des personnes qui vivent réellement là, cette fois, etc. Bon, difficile de mettre complètement en doute le fait qu'ils y vivent ou non, mais surtout sur la manière dont ils y vivent, c'est plus ça qui vous intéresse. C'est ce qu'ils vivent, là, encore une fois, complètement dénudés, forcément dans ces deux maisons, sans aucun rapport, surtout, avec l'île sur laquelle se vendent des produits, marchandises, etc., et où le capitalisme, là aussi, s'est exporté. Bon, on en a un indice, et je terminerai cette partie, cette séquence sur cette partie, ce documentaire-là, avec la fin du documentaire lui-même qui est un rappel finalement à tout ça et à la raison. Et écoutez bien jusqu'à la fin. Je suis très content. Merci. Merci. Merci, Célie. Merci beaucoup. Je vais revenir, mon ami. C'est bien. Oui, porte-toi bien. Et merci pour tout. Il s'en va. Bientôt, je vais être triste. Pourtant, même ici, les apparences sont trompeuses, comme je vais le découvrir au cours de l'année à venir. On nous a dit de construire cet endroit et de nous déshabiller. Voilà. Donc, là encore, hein, bon, moi je voulais surtout montrer et utiliser ces extraits différents pour illustrer toute la propagande idéologique qu'il y avait derrière. Et là, vous voyez bien, du coup, c'est à quel point il y a un tel embrasement entre les rapports de force, les rapports économiques et les rapports idéologiques qui se nouent et qui se lient ici, hein, pour pas en dire davantage dans ce format qui saurait être beaucoup trop long sinon. Et donc c'est très intéressant. Je vais en rester là pour ce documentaire qui parle de lui-même et dont on voit bien encore une fois qu'il fait état des mascarades total qu'on nous vend d'ordinaire et aussi de l'instrumentalisation complète qui est faite de cette population. En réalité, vous voyez, c'est toujours pareil. Il y a prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Alors, sans dire que nous sommes dans les mêmes conditions, vous avez des prolétaires à l'autre bout du monde, en Papouasie occidentale, des prolétaires de l'autre côté qui sont français, allemands, anglais, américains, qui regardent ces documentaires, et l'ensemble est instrumentalisé dans un seul objectif qui est un pur produit capitalistique qui vise l'accumulation du profit, au spectaculaire, et derrière ce spectaculaire, eh bien, on nous rebâche sans cesse les oreilles avec le même type de discours permanent qui est un discours culpabilisateur, culpabilisant, où on va dire finalement eh bien, que c'est toujours de la faute du petit pendant que les mêmes continuent à s'enrichir finalement et qui constituent les mêmes ravages pour l'ensemble de la population en réalité. Donc vous voyez, moi ce que j'y vois ici, pour être bref encore une fois, eh bien, c'est toute la résonance de la fin du manifeste du Parti communiste, prolétaires de tous les pays, unissons-nous. Alors effectivement, on n'est pas tous
dans le même moment historique, hein, tous pareils mais pas au même moment de ce pareil, hein, comme le montrait très bien déjà Hegel. Toutefois, on voit bien que ici, le capital qui se définit d'abord et avant tout comme un rapport social, c'est-à-dire que lorsque je me lève, etc., j'ai pas nécessairement conscience d'aller au travail, d'aller trouver un emploi, d'aller sur le marché du travail, de mettre en valeur du capital pour un autre, etc., et pourtant je m'inscris dans ce rapport social-là particulier, qui est celui du capital, eh bien, ce rapport social-là traverse mondialement hein, l'ensemble de la population, dans l'intérêt d'une toute petite minorité, avec bien sûr entre les deux des intermédiaires, comme ces animateurs qui sont de bonne foi. Encore une fois, je remets pas en doute la bonne foi de bien des animateurs parfois, mais avec des grosses boîtes de production, hein, comme dans Rendez-vous Inter Inconnu, etc., où l'on vient complètement instrumentaliser tantôt une population, dont on va nous faire le reproche d'être la cause du fait qu'ils vivent mal, hein, d'accord ? Vous voyez, les gars payent des énormes productions, hein, enfin des énormes productions sont derrière et payent pour instrumentaliser ces populations, déconstruire complètement leur habitat, etc. Et par derrière, ils vont culpabiliser, hein, c'est ce que fait Nicolas Hulot à la fin de la première vidéo que j'ai mise en ligne, c'est-à-dire nous dire, mais surtout foutez-leur la paix, etc. Quand j'ai pas pu retenir et que j'ai dit, ferme ta gueule et casse-toi, parce que simplement, effectivement, c'est juste nauséabond, d'accord ? Il n'y a que lui qui va là-bas, qui peut y foutre les pieds, qui fait chier, etc. Et on nous culpabilise, nous, alors que lui se met dans la position de grand seigneur. Donc il y a une instrumentalisation complète derrière ça, et qui, sous couvert d'un discours humaniste, est en réalité un discours profondément anti-humaniste, profondément écologisant, bête et méchant, hein, avec une idée pure de l'homme dans sa nature complètement, qui ignorerait complètement le rapport à la technique et s'en désintéresserait surtout, ce qui est évidemment faux, on le voit bien là, et tout cela du coup sert les mêmes intérêts du grand capital et surtout les intérêts écolo-réac que j'ai déjà signalé à plusieurs reprises, hein, ce concept d'écolo-réactionnaire que j'avais formulé dès mon livre Faucon Rouge, pour montrer qu'en réalité les intérêts écologisants, qui n'est pas l'écologie, hein, l'écologie est une science, les écologues sont des scientifiques dont on n'entend jamais parler, qui justement font un travail intéressant d'interdisciplinarité entre les sciences humaines et les sciences de la nature, et ça c'est très intéressant. Mais là on a vraiment un rapport écologisant, idéologique, hein, qui vise simplement à entretenir les politiques d'austérité mondiale, les plans d'ajustement structurel dans les pays les plus défavorisés, l'austérité chez nous, de sorte à maintenir finalement en dehors la majorité de la population, en dehors de tout progrès technique et social. Voilà à quoi on assiste. Bon, on passe à la suite avec un autre document qui va être intéressant pour autre chose là aussi. Je voulais revenir du coup sur une émission, hein, dont je ne doute pas qu'elle est composée d'un bon nombre de mises en scène, etc. Mais là, n'est pas le propos, ça me sert juste encore une fois de témoignage qui extériorise simplement et désubjectivise simplement ce que j'ai à en dire, et c'est ça que je trouve assez intéressant. Alors j'ai sélectionné deux passages, hein, pour la simple et bonne raison que j'ai pas regardé la totalité de l'émission, hein, c'est d'ailleurs assez chiant même dans le montage. J'essaie quand même de vous faire un bref topo. Là du coup c'est une émission qui s'appelle à l'origine Retour à l'instinct primaire, donc en fait l'objectif passionnant de ces émissions au spectacle, encore une fois, c'est de balancer deux soi-disant inconnus, complètement nus, intégralement nus, hein, d'accord, qui vont devoir vivre pendant 3 semaines dans un milieu naturel, absolument hostile. Ça peut être à peu près n'importe où, bref, on s'en fout. L'objectif, c'est ça. En gros, on leur fournit quand même, hein, à ces adeptes de la non-technique, on leur fournit quand même en principe un fire steel pour allumer du feu, une machette, une casserole, ce genre de choses, et puis voilà. Mais surtout, ils sont tout nus. Ah, passionnant, bref. Voilà, je passe sur ce que j'ai pu voir de l'émission, qui était quand même assez intéressant, avec des personnes qui arrivent avec des conceptions tout à fait propres en réalité, et qui l'ignorent eux-mêmes, aux conditions de vie dans lesquelles ils vivent d'ordinaire, et qu'ils essaient d'apporter ici, d'extrapoler. Bon, on met de côté aussi toute la superficialité d'une telle émission. Honnêtement, en plus, c'est, voilà, même le montage n'est pas rythmé d'une manière suffisamment bien pour que ce soit vraiment intéressant. Toutefois, bon, là, c'est les témoignages. En fait, c'est l'après-émission
Donc, quand les témoignages des gens qui sont restés un certain temps dans ces conditions-là et qui finalement voient avec un autre œil, hein, parce que je vous cache pas et vous avez qu'à regarder par vous-même, le début d'émission est rempli. Je me suis coltiné ça pour vous faire cette vidéo. Finalement, j'en ai pas retiré grand-chose parce que sinon ma vidéo, allait durer des heures et des heures. C'est rempli de gens qui arrivent avec l'idée de l'harmonie de la nature. Encore une fois, je vous passe tous les topos, d'accord, de bobos écolos du Marais qui vont acheter en libre service dans leur biocoop du quinoa et des lentilles de courgettes, j'en sais rien là, dans les self-service, et qui du coup viennent vivre une expérience sensationnelle, etc. Blablabli, blablabla. Bon, ils ont toujours autour du coup un moyen d'appeler les services médicaux. Et d'ailleurs, même pour ceux qui poursuivent, il est pas rare que les services médicaux interviennent à plusieurs reprises. Donc bref, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Mais malgré ça, qu'est-ce qui m'intéresse? Là, on est donc dans les témoignages d'après-émission, une fois qu'ils ont eu fini. Et j'ai sélectionné deux moments, puisque c'est qui parlent encore une fois d'eux-mêmes et qui m'ont semblé intéressants. Donc le premier. Participants ont souffert du manque. Le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de chaleur, de sommeil et de confort. Leur pire ennemi a été la nature. Après des jours de privation, le transfert vers leur hôtel est une prise de conscience violente. Pour la première fois, ils regardent ces paysages grandioses en connaissant l'envers du décor. Alors ici, ils disent tous « Life is better in the bush ». Donc la vie est meilleure dans la savane. Effectivement, elle est meilleure, mais pas quand t'es tout nu et que t'as rien. Là, je vois, hein, oui, c'est vachement beau quand on est dans un 4x4 avec de la clim. Mais voilà, tout est une question de point de vue. Et puis pendant 9 jours à pas se laver dans le bush, c'est pas si bien que ça. Bon ben voilà, elle a tout résumé, la petite. Bon, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, hein. Bon, elle dit, effectivement, vu de l'extérieur, dans le 4x4, etc., c'est sympa. Ça rejoint ce que j'avais dit à propos de Nicolas Hulot dans la dernière vidéo, souvenez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, la savane, c'est sympa quand c'est en fond d'écran de l'ordinateur, d'accord? C'est-à-dire quand ça répond à une pulsion de plaisir, à une fonction libidinale de plaisir, d'accord? C'est-à-dire que, effectivement, c'est la même chose que lorsque je conduis et que je vois devant moi débarquer, c'est une petite anecdote là-dessus que j'avais pas prévu, mais lorsque je conduis et que je vois débarquer devant moi deux chevreuils, et effectivement je peux contempler de par ma position qui est un acquis historique, d'accord, c'est pas le confort de cette société pénible de consommer blablabla, toujours le même discours à la mort moelle-neuve, mais qui est un acquis technique réel et qui me permet justement d'accéder à cette contemplation libidinale, d'accord? Si j'étais dans l'angoisse et la peur permanente de me faire attaquer, il n'y aurait pas ce plaisir-là. Ce serait juste impossible, d'accord? Bon, et petite anecdote, donc, il y a quelques semaines de cela, je courais dans le brouillard, hein, au fin fond de la campagne, je voyais pas à plus de 10 mètres devant moi. Et à un moment, j'ai entendu, très tôt le matin, on n'y voyait vraiment pas bien, lever du soleil plus brouillard, et moi étant à pied, j'ai entendu un bruit d'animal, dont j'ai imaginé, vu la population qu'il y a ici, que ça pouvait être un sanglier. Bon, et bien, dans les secondes où je me suis dit ça, j'étais pas dans une extase, dans une pulsion de plaisir libidinal à vouloir voir ce magnifique créature de la nature, etc. Hein. J'avais qu'une idée en tête, c'était tracer. Je me suis rendu compte après que c'était justement des chevreuils, eh bien, qui étaient en réalité très proches de moi. Eh bien, même si proche que ça, complètement désarmé, bah même le chevreuil, j'ai mis un temps, hein, avant d'avoir le jugement réflexif après coup, qui m'a fait dire « Waouh, c'est vrai, c'était beau ». D'accord ? C'est beau parce que ce qui est beau, c'est dans le rapport que le sujet entretien avec l'objet du beau, hein, mais je vais pas faire un cours ici sur l'art, mais c'est le sujet qui donne son intérêt à l'objet du beau, d'accord? Sur le moment, j'ai pas trouvé ça beau du tout, hein, d'accord? J'avais qu'une envie, c'était de me tirer, ok? Bon, voilà. Et là, elle résume très bien la chose, d'accord? C'est-à-dire que les rapports idéologiques,
déforme et inverse notre rapport au réel et fait que finalement, eh bien, on idéalise, pour employer un terme courant, ce rapport-là, ce rapport à la nature, et que tous les documentaires, à commencer par les Ushuaïa Nature, etc., n'y sont pas pour rien. Et par ce système-là, par ce biais-là, on est en train de nous faire intérioriser une vie d'où on pourrait se passer, où finalement c'est la sobriété heureuse parce que on vivrait trop de superflu, etc., et où on accepte, encore une fois, les longues politiques d'austérité, d'où la position écolo-réactionnaire, parce que ce matraquage médiatique permanent nous conduit à nous dire que finalement, eh bien, on vivrait peut-être avec un peu trop, et que à quoi ça servirait alors d'entrer en révolution, d'entrer collectivement dans un mouvement qui nous permettrait d'obtenir ce que notre héritage historique réel, au lieu qu'il soit à la fois maintenu et vilipendé par une minorité. Eh bien non, on nous bassine avec ces belles histoires, hein, comme si nous étions tous des mouglis arrachés à cette nature nourricière, et que finalement notre vie serait particulièrement horrible et désastreuse. Alors qu'en fait, si on peut se permettre ce genre de discours, c'est justement parce qu'on est sorti de cet état de nature. Et bref, elle résume très bien la chose. Autre moment, et je terminerai d'ailleurs l'ensemble de la vidéo là-dessus, sur les blessures. Faire de la faim, mais ils ont aussi dû braver la douleur. Pour Vincent, qui a quitté son expérience au huitième jour, ce sont ses pieds qui ont le plus souffert de ne pas être protégés. Je pense qu'en fait, le confort, on s'en rend compte uniquement quand on l'a perdu. Les habits sont un confort, les chaussures sont un confort, le lit est un confort. Le fait d'être nu, ça complique vraiment les choses. Quand on n'a pas l'habitude, ça change les choses. Moi qui ai l'habitude de vivre en nature, habillé et chaussé, quand je me rends compte de tout ce que je fais quand je suis habillé et chaussé, ça change exactement la donne. En fait, ça peut même changer la vie. Est-ce qu'on survit ou est-ce qu'on ne survit pas ? Il y a énormément de choses dont on n'a pas forcément besoin, mais qui sont incroyablement géniales quand on les a. Et putain, qu'est-ce que j'échangerais pas mon couteau pour les chaussures, quoi ? Oh là là. Fuck. Ah, ça commence mal, merde. Ouais. T'es bien rentré. Ah, t'as dû bien le sentir, ouais. Oh putain, fais gaffe à ça, là. Putain, ça pique, là. Putain, des pineux de merde. 3 jours de souffrance, c'est pas assez pour le coup. Bon, voilà, on en a assez. Deux choses dans cet extrait. D'abord, effectivement, quand il dit le confort, en fait, on s'en rend plus compte quand on a l'habitude. Et oui, et là, encore une fois, ça traduit ce rapport idéologique-là. On y est tellement habitué qu'on a l'impression que c'est en trop, que c'est inutile. Combien de fois j'ai eu des discussions extrêmement pénibles avec des abrutis qui vivaient au plein cœur de la région parisienne et qui m'expliquaient que le problème, c'était le confort, etc., qui est le vieux discours réactionnaire d'une droite élitiste à tendance nietzschéenne, etc., qui consiste à dire que finalement on se complaît, on est des bouseux dans ce confort-là, etc., alors qu'il faudrait se sursumer, être né sur homme, etc. Tout simplement, en fait, ce qui permet à ce discours idéologique écologisant que je décris depuis 2 vidéos de s'insérer tel une inception dans l'esprit des gens, c'est justement le fait qu'on oublie ce qu'on connaît si bien. Quand Hegel dit ce qui est bien connu parce qu'il est bien connu et mal connu, qui est là tout un programme finalement de recherche tant philosophique qu'artistique, mais je passerai ici, c'est-à-dire de revivre un étonnement vis-à-vis de ce qui nous est habituel, eh bien effectivement, le fait de les placer dans ces conditions-là les ramène finalement à tout ce qu'ils avaient oublié. En ce sens-là, c'est positif, d'accord ? Il faudrait même que ça ait lieu plus souvent, ce genre de choses, parce qu'au moins comme ça, on s'en rendrait compte. Et par là même, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les blessures qu'ils ont sont des blessures qu'on qualifierait chez nous de bénignes. Je me souviens, il y a cet été, d'avoir marché, de m'être enfoncé une pointe dans le pied. Bon, c'était douloureux, mais à coup d'un peu d'antiseptique, de pansement, etc. Bon, ça s'est corrigé, j'y pense même plus aujourd'hui, ok ? Là, ici, la moindre épine qui commence à s'infecter peut conduire à l'équivalent d'une amputation, mais là, qui serait pratiquée de manière... acharné, ou la mort, tout simplement. Et ça nous rappelle à l'hostilité de la nature comme première prédatrice, et donc à la nécessité de conserver un environnement, et non pas de préserver la mère nourricière, nature, sainte Gaïa, etc., et tous ces discours mielleux où l'on dit que finalement il n'y a rien de pire que l'homme parce qu'il détruit lui-même sa nature, etc., alors que non, en fait, il transforme ses moyens d'existence, et par là même, il se permet de survivre mieux qu'aucune autre espèce, et en même temps aussi, il faut le rappeler, de conserver en même temps aussi ces autres espèces qui probablement aussi sans l'homme n'existeraient parfois plus. Et donc c'est un peu facile de se réfugier dans sa forêt en France
en disant, bah voilà, moi, retour à l'état de nature, etc. Alors que, on le sait, Robinson lui-même arrive avec la société dans la tête, puisque ce qu'il va reproduire sur son île, c'est ce qu'il a appris, c'est ce qu'il a acquis d'une certaine société. Encore une fois, ça, c'est un délire idéologique de hobo, hein, j'en avais parlé dans ma vidéo sur le voyage, donc je vous y renvoie, que de croire que on n'apporte pas avec soi l'héritage culturel dont on est constitué quand on a été issu justement d'une formation sociale telle que la nôtre et d'une civilisation. Et puis c'est encore une fois un peu facile de prétendre s'exclure comme ça en société et faire communauté quand on sait que quoi qu'il arrive malgré tout, eh bien on peut aller à l'hôpital, même s'il est à 30 ou 50 kilomètres, eh bien, pour réussir à s'en sortir. Alors que dans le même temps, eh bien, on voit un discours du se changer soi plutôt que le monde, de la sobriété heureuse, du faire sa part, etc., sans penser aux conquêtes sociales, aux conquêtes collectives qui sont le fruit de ces hôpitaux, de la cotisation sociale, etc. On nous dit, oh, ça, ça fait mal à la tête, oh, ça, ça faut pas trop réfléchir, oh, oui, mais moi, je fais ma part, oh, oui, mais ça, c'est une utopie, et tout ce blabla, ce gloubi-boulga merdeux, dégoulinant et dégueulasse, qui en réalité ne sert que les intérêts finalement de ceux qu'ils prétendent combattre à longueur de temps, et cela, ça fait des années que je ne cesse de le répéter et que je le maintiens. Alors je terminerai là-dessus, et je terminerai aussi en disant, eh bien tout simplement que, encore une fois, il ne faut pas se tromper d'ennemi, et encore une fois, nous sommes pas tous dans le même panier dans la question de l'écologie. Nous sommes par contre un bon nombre dans ce panier, manipulé par une minorité qui n'est pas forcément consciente, encore une fois, et ça Marx et Engels nous le montre bien dans l'idéologie allemande, hein. Si la classe dominante adhère massivement à l'idéologie dominante, c'est simplement parce qu'on l'a construit comme telle elle aussi, d'accord, hein. Les enfants de la classe dirigeante, les enfants de Bernard Arnault, on leur apprend que c'est le mérite à quoi ils doivent tout, etc. Donc on peut pas leur en vouloir, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de rapport social, encore une fois. Et donc le vrai problème, effectivement, s'il y a une urgence écologique, une urgence environnementale, c'est parce que le capitalisme, qui est un mode de production particulier, qui a une origine et qui aura une fin, eh bien ce mode de production-là vise la conquête toujours plus de profits, qui fait que, je l'ai dit à plusieurs reprises, Amazon et tant d'autres jettent des millions et des millions d'objets chaque année, du simple fait que lorsqu'ils produisent des objets, c'est avec la priorité à la valeur d'échange, c'est-à-dire qu'on produit en vue de vendre, et on ne produit pas en vue d'un besoin, raison pour laquelle, eh bien, Marx disait, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Le passage au communisme, c'est ça, c'est-à-dire le passage à un autre mode de production, où là, eh bien, on décide collectivement, en république démocratique, c'est ça la dictature du prolétariat, c'est une république démocratique au sein de laquelle, eh bien, on va décider réellement démocratiquement, collectivement, eh bien, qu'est-ce qu'on produit, comment on produit et pourquoi. Parce que s'il y a des choses qu'on produit trop, il y en a aussi qu'on produit pas assez, etc. D'accord ? Donc, l'enjeu, c'est... Le problème, c'est le capitalisme. Donc, on assiste plutôt à un capitalocène plutôt qu'à un anthropocène, comme il se plaise à se le dire à tous ces ignares, et qui oublie complètement les rapports de classe. Alors que ce qui se joue ici, ce sont des rapports de classe, et qu'il nous faut mener à terme la lutte de classe pour détruire ce mode de production qui, rappelons-le, ne va pas se détruire par lui-même, combien même il connaîtrait bien les contradictions, mais parce que nous serons à même d'agir dans l'histoire à partir de ces contradictions. Et tout ça, je le montre et je le développe dans la totalité de nos cours et dans bien de mes vidéos gratuites, puisqu'il y a plus de 300 vidéos gratuites, un forum gratuit, des manuels gratuits, des bibliographies gratuites et tant d'autres. Mais nous le montrons, nous le construisons et nous l'articulons le plus scolairement et le plus fonctionnel d'un point de vue de la formation possible au travers de l'ensemble de nos vidéos de formation. C'est la raison pour laquelle, eh bien, vraiment, je vous invite, si ce contenu vous plaît, eh bien, ne serait-ce que pour nous soutenir et pour votre enrichissement à vous aussi, intellectuel et culturel, à souscrire au cours, et pourquoi pas à m'aider directement aussi sur Tipeee, d'accord? Je consacre la plus grosse partie de mon temps désormais à ce type de contenu, et donc, eh bien, je vous remercie d'avance vous êtes prêts à nous soutenir, à nous rejoindre aussi, à l'y acheter, et puis à vous abonner. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.